rupture entre générations n'a jamais aidé le monde et ne l'aidera jamais. Ce sont les chants des sirènes d'un avenir sans racines, sans ancrage. C'est le mensonge qui nous fait croire que seul ce qui est nouveau est bon et beau. L'existence de relations intergénérationnelles implique que les communautés possèdent une mémoire collective, car chaque génération reprend les enseignements de ceux qui ont précédé, laissant un héritage à ceux qui suivront. Cela constitue le cadre de référence pour consolider fermement une nouvelle société. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, il n'y aurait rien qui ne puisse se faire, comme dit le dicton. Dans la prophétie de Joël, nous trouvons l'annonce qui nous permet de comprendre cela d'une manière très belle. Il dit « Je répandrai de mon esprit sous toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Joël, chapitre 3, verset 1, acte 2, 17. Si les jeunes et les anciens s'ouvrent à l'Esprit Saint, ils forment une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions.